Salut à tous et à toutes, bienvenue donc pour un nouvel épisode Papycor s'éclate sur Ark Survival. Il est 18h22, nous sommes le lundi 10 juin 2024 et c'est parti donc pour Ark Survival Evolved. Et là nous allons faire l'araignée gamma avec des steak tech. Voilà, donc normalement j'en ai 19. C'est les mêmes qui ont pété le singe en 7 minutes je crois. Hein. 7 minutes 08 le singe. Donc là je pense que ça va être un petit peu plus long peut-être. On va voir, on va bien voir. Donc des coûts de 252, hein, comme, puisque c'est les mêmes que tout à l'heure, hein, qui ont fait le singe gamma. Mon Yuti, donc un bon petit Yuti tranquille pour booster les stegs, hein, 107 de sel, 35 000 de vie et 411 d'attaque. Donc ça, il n'y a pas de problème. Voilà, et le steg, on prend celui-ci. Donc ça varie, lui il a 32 000 de vie avec 518 d'attaque et une selle de 101. Bon, ils sont pas tous comme ça, il y en a des beaucoup moins et il y en a des pas beaucoup plus. Allez, on y va. On perd plus de temps. Donc 19 steg tech et un Yuti et un survivant. Donc il n'y a pas de mutation, hein. Ce sont des stegs qu'on trouve dans la nature. Alors là il y a un parasaur, je pense pas qu'il va me gêner lui. Déjà, j'arrive pas à trouver l'obélisque. Purée, j'arrive pas à aller dedans. Oh. Ah, ça y est, je l'avais tout à l'heure. C'est pas vrai, non? Mais vas-y, casse-toi là, le parasaur. Là. Oh, il y a toujours quelque chose qui... Ah, puis j'ai plus mes armes. Ah oui, j'ai une épée. Ouais. Piège. Voilà. C'est bon, là, maintenant? C'est lui qui gênait? Voilà. Ah bah quand même. Allez, Banzai, on perd plus de temps. C'est parti, je vais rejoindre mon outil pour faire attaquer la cible. Banzai, Nico Clash, ouais, tout à fait. Oui, 10 des runes de 105 niveau max. Ah ouais, on en gagne. Bah ça fait 195, plus 10 des notes. Oui, ok, 10, ouais, d'accord. La belle bulle, attends, faut que je m'enlève parce que sinon, hop là, je suis dedans, ouais, je suis dedans. Allez, on fait attaquer la cible. Voilà, et c'est parti. Voilà, tranquille ou tranquille. Allez, on les booste. Oui, donc tout à l'heure on parlait de niveau du personnage, hein, donc sur Islande on peut aller jusqu'à 125, hein, ouais, c'est ça, non ouais, 125 plus 30 de la Manticore Scorch et 15 de Rockwell, ça fait 155, plus 2 fois 15 Genesis 1 et Genesis 2. 185, et là il me disait justement 10 pour toutes les notes, on gagne 10 niveaux pour toutes les notes. Donc Islande, on monte de 125 à 135, hein. Et 10 des runes, hein. Je crois que c'est sur Fjord, je pense. Hein. Si on découvre toutes les runes sur Fjord, il me semble, hein, c'est ça. Bon, là c'est bien parti, c'est bien parti à 10 minutes. Mais oh. Bon voilà, on va arriver à un petit quart, donc 1 minute 30, ça va. Ça va être tranquille, je pense, ça. Hein. Bon, je vais avoir une perte avec... Parce que ça, on s'encaisse pas mal, hein, les steak techs. Beaucoup s'en servent pour péter les tribus en PvP. Ça, c'est pour vider les tourelles aussi. Hein. Ça, c'est du carbo, mais aussi les steaks. Hein. Sur les bateaux. Ça c'est l'hôtel. Bon voilà, ça fait déjà un quart, même je dirais même presque un tiers, hein, tranquille. Et on est à 2 minutes 10. Hein. 2 minutes 15. C'est bon, hein. Je pense qu'en 5 minutes ça va être fait. Ça passe tranquille, Zep, hein. Ouais ouais, ça passe tranquille. Je pensais que j'aurais eu plus de difficultés que le singe.
Mais le singe il bouge beaucoup, tandis que là l'araignée elle est statique, elle est coincée. Donc ça aide. Ça aide et bah elle encaisse les coups quoi. Donc c'est nickel. Voilà, on arrive presque à la moitié avec du 2.35. 45, ouais, 2045. Donc elle peut même pas envoyer ses boules de feu. Tellement qu'elle est compressée par les steaks. Comme tous les steaks ne l'atteint pas. Hein. Voilà, on est moins de la moitié. On est à 3 minutes 10. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc c'est tranquillou, hein. L'araignée là passe pas par-dessus les steaks, contrairement aux loups, aux smilodons, ou quand je les envoyais dessus, ben, l'araignée a passé au-dessus, puis elle s'en prenait à mon outil. Voilà, on est tout dans mon outil maintenant. Un petit boost. On arrive à 3 minutes 40. Araignées qui attaquent mon outil, mais bon, elles donnent des coups de douze, ça va, hein, 32 000 de vie. Ils ont le temps. Hein, mais... On est bien là, hein. Il reste plus que moins d'un tiers. Comme ça, je vais pouvoir ranger toutes les steak tech et faire la reproduction des steaks normales. Moins d'un quart maintenant. Et on va arriver à 4 minutes 25. On va savoir. On encaisse bien les steaks, pas de problème. Hein, on va mettre plus de 5 minutes quand même, mais beaucoup moins que le singe hein, quand même. Hein. Voilà, on arrive à 5 minutes. 5 minutes. Je pense que ce sera moins de 6 minutes. Hein. Sachant que le singe gamin, on l'a fait à 7 minutes 08 avec les mêmes dinos. Hein. Voilà, ça y est. Et presque. 5, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Cinq minutes 25. Et voilà. Aucune perte. Quel chrome. Impeccable. Donc, on va voir les dégâts un petit peu. Vous voyez, là, il a perdu 4000 de vie seulement. Il a une selle de 85. Ça va. 4000 de vie sur tout ce qu'il avait en vie, ça va. Hein. Là, il a perdu que 5000. Il a 28000 de vie. Hein. Ça va. Hein. Donc, on va dire entre 3 et 5000 de vie, ils ont perdu seulement. Donc, l'araignée avec les steaks, vous pouvez y aller tranquillou. Hein. C'est pas des super gros niveaux en plus. Donc, il n'y a pas de soucis. Hein. Allez, on va se téléporter et ça va être bon. Pour ce soir, c'est pas mal. Hein. Déjà, le Denklo, le Diplopolus, c'est dommage. Je l'aurais tamé ce soir, ça aurait été nickel. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Voilà, moi là, je suis recoincé. Bah, de toute façon, je vais les rentrer en cryo. Hein. C'est 40 éléments. Hein, pour le... Non, c'est 20 éléments, je crois, pour l'araignée. Hein. Il me semble. Hein. Je vais pas chercher les éléments, je sais pas qui c'est qui l'a. Ils ont quand même récupéré des petits trucs, les steaks. En pétant les petites araignées, voilà ce qu'on a. Hein. Ça, c'est en pétant les... Vous voyez là, il a une armure de 41 seulement. Ah, c'est une selle rare. Même avec une selle rare. Par contre, vous voyez la vie là. Lui, il a perdu 8500 de vie. Non, pas 85 000. 8500 de vie. Regardez la selle, à quoi ça sert quand même. Hein. Voilà, plus la selle a une plus grosse armure, plus il encaisse hein, le steak. Lui, il avait une petite armure, bah voilà, hein, 8500, il est presque mort, lui. Hein. Ok.
Et ouais, il est pas mal blessé. Hein. Ok, bon bah nickel. Hein. Nickel, je vais mettre tout ça sur la toile. Hein. Bon bah je vous remercie de m'avoir suivi. Je te souhaite une très très bonne soirée, Nico Clash. A très bientôt, Zep également. Bonne soirée à vous deux et à très bientôt. Hein. Et pour le gigant Raptor, là, bah il n'y a pas de problème. C'est partie remise. Pas de souci. Allez, ciao, ciao et merci de votre soutien. C'est sympa. A plus tard. Ciao, bye bye.